Salut tout le monde, c'est Zolus, bienvenue sur ton point d'épisode de Zelda Skyward Sword. La fois dernière, on avait sauvé le dragon d'eau et elle nous avait ouvert le passage, un peu l'entrée de Jabu Jabu, ça me fait vraiment penser à ça, pour rentrer du coup à l'intérieur de cela. Hop là, allons-y. Bon, on va chercher la flamme sacrée. Un petit donjon avec un boss, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Ah par contre j'espère... Ah bah si, il y aura de l'eau partout. Oh, je vais pas aimer. Oh, j'aime pas l'eau. J'aime pas l'eau dans les Zelda. J'aime vraiment pas ça. Bon, pas le choix. Il va falloir y aller. Alors. Oh, il y a de l'eau partout. Mais il me semble que c'est un donjon que j'aime beaucoup. Ouais. Ça me fait penser vraiment... Grande caverne antique. Ça me fait penser un peu à... Un petit peu à un temple un peu bouddhiste. Je pense que c'est inspiré de là. C'est clairement une... Enfin, pas vraiment une représentation, mais... Une sous-représentation de Bouddha, clairement. Alors, bon. Oh, un joli rubis, là, qui m'intrigue. Bon, déjà, on va explorer vite fait ce qu'on a... Ah, j'ai cru que c'était un... J'ai cru que c'était la stèle là-bas, j'ai cru que c'était un... Oh, c'est une grande putain. Un cube. Ah! Dégage. Ok, donc là. Ok. Ça c'est fait. D'accord. Donc on va pouvoir passer par là. On va d'abord explorer. Ok, là on a une espèce de truc. Genre. Un grappin, j'ai pas. Peut-être le grappin. Je sais plus si. Ah, si, j'ai peut-être une idée. Je suis pas sûr de ce qu'on jouerait, mais il me semble savoir ce que c'est. Attends, on va aller chercher le. Rubis! Le rubis. Mais... Moi, je fais ça comme ça, moi. Hey, hey. On va faire le tour. On va regarder s'il n'y a pas autre chose. Là, encore un. Oh, on va être riche dans ce temple. Sion. Ok. Ça roule. Oula, attention, oxygène. J'ai jamais vu les bleus au fond. On va essayer de les... Est-ce qu'on peut les... Il n'y a pas d'autres mains, d'autres rubis. Non, j'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression d'avoir d'autres mains. Non. Ça roule. Ok. Ah bah on arrive pile poil en plus là où je voulais aller. Impeccable. Parfait. Bah poursuivons. Alors, où est-ce qu'on arrive? On arrive là, d'accord. Avec des nénuphars. Oh, ok. Ok, les nénuphars se retournent alors. Ok, ça roule. Ça me va. Est-ce qu'il y a quelque chose sous l'eau? Je vérifie toujours. Hein. Je vérifie toujours. Ouh, des araignées, d'accord. Il y a un coffre là. C'est quoi ça? Ok, ça me permet de. D'accord. De revenir là. D'accord, très bien. Salut toi. Et où est la bouche? Voilà. Ça roule et ça me permet de revenir. De revenir en arrière. D'accord, ok, ça roule. Ça marche. Donc là on a des araignées. Hop là, demi-tour. On va les tuer ces trucs là. Allez, ça meurt. On va faire pareil pour toi. Ah. Oula, 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 elle est descendue. Allez, boost. Ah, raté. Ok. Ça roule. Alors. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Frappe les 4 pierres dans le bon ordre. La poste s'ouvrira à celui qui suivra les règles de ce lieu.
Il y a un ordre. Les règles de ce lieu. Ouais, bon, ça fait quand même pas mal de combinaisons. Hein. Là, il y a une petite pierre. Et que là, ça va nous le dire. Les symboles gravés sur la grande statue de pierre dictent les règles de ce lieu. En premier vient le dos, puis le séant, le dos de la main droite et le dos de la main gauche. Donc, dos, le front, droite, gauche. Donc, en bas, devant, droite et gauche. En bas, devant, droite et gauche. On va aller voir dans le dos. Wait. Ah. D'accord, et là on a, du coup on a le symbole. D'accord, ok. Donc d'abord le postérieur. Ça doit être ça. Donc en haut, puis le dos. Non, le dos c'est ça. Ça c'est le dos. Là, séance c'est là. Mais d'abord, donc bas. Non, d'abord le dos séant. Merde, attendez. J'ai oublié maintenant. Ok, le dos c'est haut et le bas c'est bas. Ok, dos c'est haut. Et là la main. La main droite c'est droite. On va revenir là. Alors le dos c'est haut, je disais, donc haut, bas, droite, gauche. Haut, bas, droite, gauche. Haut, bas, droite, gauche. Mais haut, bas, gauche, droite. Ah d'accord. Au bas, gauche, droite. D'accord. Donc on arrive là. Très bien. Ok, ça roule. Alors par contre, on va utiliser un amiibo. Pour aller retourner à Celestia. À Célestbourg, pardon. Utiliser un amiibo. Ça roule. Très bien, parfait. Alors, du coup, on va faire quelques emplettes. Alors, on va commencer par te voir toi, on va te déposer le bouclier. Oui, s'il te plaît. Alors, ça, je te le dépose là. Pas de rien. A plus. Allez, je vais t'acheter ton truc là qui vaut je sais pas combien là. Bien nouveau, 500 rubis, c'est cher, mais allez, vas-y. Ok, donc on a un bouclier. Quand on active le bouclier nouveau, comme ça, voilà. Oh putain, la barre de vie, elle est minuscule. On va essayer de voir pour l'améliorer. Parce que bon, ok, il se répare tout seul, mais bon. Améliorer, s'il te plaît. Alors, est-ce que je peux l'améliorer? Oui! Perle d'ambre, plume d'oiseau, j'ai ce qu'il faut. Et crâne, j'en ai aussi. Putain, par contre, il en demande beaucoup. Et 100 pour le. C'est cher. Mais ça roule. Vas-y, mon gars. Ok! C'est parti. Petite pause, on va dire, c'est cool. Nice, il est joli. Mais. Ce sera toujours.
Ok, je peux plus l'améliorer. Mais ce sera toujours mieux parce qu'au moins lui peut se réparer. Est-ce que je peux améliorer ça? Il me manque une flamme ancienne. Mince. Ce modèle de scarabée vole plus longtemps. Ouais. Je peux pas plus. Ça, je peux. Perle d'ombre. Il m'en faut deux. Oh putain, quand même deux. J'en ai 25. 2 et 3, j'ai la tibule. Lance-pierre qui tire plusieurs graines en en consommant qu'une. C'est cool ça. La loi de la physique, c'est clairement pas possible. Mais ça, il me faut un cristal maléfique. Donc ça, je suis bloqué. Il me faudra de toute façon des fleurs anciennes et tout pour plus tard. Ça roule. Bah, écoutez, on va améliorer ça. Déjà, on peut améliorer des choses. Vas-y, vas-y. Okay. Nice. Ok, je peux plus rien. Pas de soucis, mon gars. C'est bon, c'est vraiment un bon ajout qu'ils ont fait. Et on apparaît exactement à l'endroit où on était. C'est trop bien ça. Bien. Alors. Non, non, attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Je suis pas fou, moi. Vous allez mourir. Quick. Oula, 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 tout de suite. De l'autre côté, je veux là-haut. Allez, meurs. Voilà, comme ça, là, je suis tranquille. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'eau à part les cœurs? Non, il n'y a rien. Ok, donc on va aller là-bas. Allez, ciao. Je pensais genre ça allait en tirer 3 un peu à la manière d'Animal Crossing pour le lance-pierre en or, mais pas du tout. Alors on arrive là, mais ça change quoi? Il y avait un truc là-bas. À quoi ça sert de monter là-haut? Quoi du du? Qu'est-ce que... Je comprends pas trop ce que ça va faire, mais... Déjà, je vais récupérer les trois, les rubis, là. De l'autre côté. Allez, tourne. Et tourne. Et du coup, ça servait à quoi? Ah, il y avait un passage caché. Ah, je pouvais pas passer sans retourner. D'accord, je comprends. Ok, là, il y a une passe. Pas mal de briques. Enfin, de briques de... De bois, de planches. Ok, on arrive. Je sais pas trop. On arrive à un endroit, en tout cas. Ah, et on arrive dans cette zone-là avec le coffre. Nice, ok. Qu'est-ce qu'on va avoir? Soit la petite clé, soit une carte. La petite clé. C'est la petite clé pour pouvoir ouvrir, du coup, la porte principale. Alors ça, on est à 20 minutes, alors on va continuer encore un petit peu ensemble et après on va s'arrêter. On continue encore un peu ensemble et après on va s'arrêter. Je pense qu'on va ouvrir là, je pense que dans la pièce principale là il doit y avoir un mini-boss, je pense. Du coup on va ouvrir ici, on va faire le mini-boss. Et après on s'arrêtera. Allez, c'est bon. Pas du tout, pas de mini-boss. Ici, une espèce de manivelle. Waouh, c'est immense. Ça, c'est la porte finale, je dirais. Ouais, c'est la porte finale. D'accord, ok, donc on est déjà à côté de la porte du boss. Mais je pense qu'on est encore loin d'y arriver. Hein, parce que comment accéder là-haut, je sais pas. Là, pour l'instant, on n'a pas d'autre choix que descendre. Ah, le mini-boss. Bon, je t'ai déjà affronté toi une fois. Affronter une fois. Hein. Ah, raté. Je voulais faire bing. Ça. Ça. Normalement, mon bouclier se régénère. Hein. Nice. Ok, ça va être plus compliqué là. Ouais, regardez mon bouclier, il se régénère. Nice. Oula, 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 mon bouclier. Mon bouclier coûte si cher, donc je vais faire gaffe quand même.
fait mal quand même. Foiré. Yes! Oh bah alors, on glisse sur sa propre tête? J'ai eu très très peur pour mon bouclier. Hein. Mon bouclier, à un moment, il ne restait vraiment vraiment plus beaucoup de vie. J'ai eu très très peur. Bon, il se régène. Hein. Vous voyez en haut à gauche? Vous voyez qu'il se régénère? Toc! Et il est à fond. Nice! On va récupérer les petits cœurs. Hein. Ah, je pense que c'était le... Ah, je pense que c'était le boss. Par contre, j'ai pas le droit... Enfin, le boss, le mini-boss, bien sûr. Hein. Mais j'ai pas le droit de... d'avoir de... d'objet. Ah, si, quand même. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme objet, à votre avis? Je pense le grappin. Le grappin. Ah, non, c'est vrai. Vous avez obtenu le fouet. Grâce à l'arbre de lumière en son extrémité, il peut s'accrocher à de nombreux endroits. C'est vrai qu'on a le fouet dans ce jeu. On n'a pas de grappin, je crois. Peut-être si. Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, on a le fouet. Et le fouet... Oh, c'est très saine. Ouais. Et du coup, si on fait ça... On libère l'eau. Qui va nous permettre de remonter à la surface. Nice. Super. Super, super, super. Ok, on va ressortir. Et on va s'arrêter là du coup pour cet épisode. 30 minutes, allez. Parfait. Et je pense savoir où faut aller du coup. Bien. J'espère du coup que cet épisode vous aura plu. Alors c'est vrai qu'on n'aura pas fait forcément grand chose en termes de donjon. Cependant, on aura quand même, au moins obtenu le bouclier et fait quelques améliorations, ce qui est pas négligeable. Hein. Bien, j'espère du coup que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à ces petits likes et bien sûr à commenter la vidéo. C'était The Lutz, ciao tout le monde et à une prochaine.